Les jeunes porteurs des projets innovants dans divers secteurs d'activité sont concernés par l'appel à projets, une initiative de Pona Ecolo dirigée par Dean Elvis Chalson Okombi. Cet appel à projets ouvert du 6 au 25 juin, en prélude au dialogue intergénérationnel décentralisé, permettra aux jeunes de bénéficier d'un accompagnement en vue de réaliser leurs projets. Cet appel à projets que nous lançons pour le département de Brazzaville se déroulera ensuite dans les 12 départements du pays et débouchera sur un appui technique et un accompagnement de tout l'écosystème créé par le chef de l'État pour répondre à ce défi de l'entrepreneuriat des jeunes. La procédure d'inscription est simple. Il suffit pour chaque jeune désireux de remplir la fiche. Il s'agit pour chaque jeune désireux de remplir la fiche de projet qui sera disponible pendant les 2 jours du dialogue sur la plateforme web qui sera communiqué à cet effet et au siège des arrondissements selon le programme qui sera établi. Un jeune diplômé sur 5 a un emploi au Congo. Une situation alarmante à remédier, a indiqué Dean Elvis Chalson Okombi qui, à travers cet appel à projet, offre ici une alternative à cette épineuse question d'emploi des jeunes. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont désormais des leviers d'insertion professionnelle dont on ne peut plus se passer. Les schémas classiques d'hier visant absolument à se lancer dans la quête d'un emploi salarié dans le secteur privé ou encore à attendre simplement une intégration à la fonction publique sont de plus en plus dépassés. Les participants, lors du dialogue intergénérationnel décentralisé qui se tiendra du 8 au 9 juin pour le département de Brazzaville, mèneront également des réflexions sur des questions liées au développement.